Hello everyone, welcome back for this third vlog on tour. We are third day, the 19th, it is 1 p.m. and we are waiting for Tom to pick us and we will drive to Amsterdam. We are going to Amsterdam for ADE. ADE is the Amsterdam Dance Event. It's a very important week in the music industry and we are going there for 4 days. I will wait for Martin to be ready and we will explain you a little bit more what ADE is. Not the chips for the set. I think he's trying the all day long set. These are the sample of the new merch. So nice. Hello Lika, du coup on est parti pour l'ADE, l'Amsterdam Dance Event, qui a lieu chaque année à Amsterdam, qui regroupe plein d'artistes, plein d'événements, plein de conférences autour de la musique électronique et de la musique aussi dans son ensemble. Donc nous, là ce week-end, on a 4 événements, dont un super important, c'est le All Day Long avec Unreal et Free Your Mind. Ça va être un AV show pendant 6 heures. On a travaillé ensemble avec mon équipe de KTRS. On va commencer à présenter le show qui s'appellera Millennium. Il n'est pas encore abouti pour la DE parce qu'il faut énormément de temps. Et ça fait quelques mois qu'on travaille dessus, donc on n'a pas eu le temps de tout finaliser pour la DE. Mais il sera prêt en 2024. Donc ça, du coup, alors on profite de l'événement là pour une preview pour les gens. Une preview. C'est un peu la chaud et tout. J'ai très hâte et très stressé aussi. Donc voilà, on verra ce que ça donne. J'espère que tout sera au top, que tout fonctionnera bien comme on souhaite. Donc voilà, trop content et trop hâte de voir le résultat. Et puis après, on a 3 autres shows. Après le Night Long, le lendemain, on a une Bakery Session avec Hazard qui m'a gentiment invité. Le soir, avec KNTX, texte plutôt, c'est le label de Charlotte Deviteux. Du coup, voilà, m'a invité aussi et trop bien, trop content de pouvoir travailler avec elle sur cet event. Hâte aussi, ça va être une première, donc hâte de voir comment ça va se passer et comment ça va se dérouler. Et ensuite, on finit la soirée avec une fois de plus Unreal et Free Your Mind. Avec là Nico Moruno, Diane, histoire de finir la 2 comme il se doit. Donc vraiment beau petit week-end avec voilà pas mal d'événements différents. Ça va être cool. Viens voir Tom. Essaye. Sinon ça je crois que c'est du S. Moi tout à l'heure j'avais du M, il était immense. Ouais parce que là j'allais dire sinon si c'est du M ça tape. Là c'est parfait. Hi guys, so it is 11 p.m. and we are going to AFAS. Qu'est-ce qui se passe? So we are going to the place where Martin is playing tomorrow to do some tests with all the camera equipment. Let's go! Yeah.
Katrina, can you go 1 second? Ça va. Si. Je vais me reposer après cette longue journée. Oh putain, je peux pas dire combien. We just came back in the hotel room. It's almost 3 a.m. Martin is very stressed because he is so picky. So tomorrow we will go back to AFAS 3 hours before he plays. So we will be sure everything is perfect for the show. Je te détends. Peut-être un aller-retour, on est un peu crevé. C'est pas passé hier. Welcome to AFAS. This is a big screen where the AV show will be. It creates like something like a tunnel, you know, like. En plus, c'est normal parce que c'est la salle est vide et ça va compenser. Tout sonne super bien. À la rigueur, on pourrait rajouter un poil de l'eau, mais on va attendre que les s'assemblent. Ouais, même pas ma track d'intro, je pense. Bah ça tombe bien, tu joues dans 10 minutes. I hope people enjoy. It was really insane. Like it was a teasing of Millennium. Like a lot of new things are coming for 2024, and I'm just really excited to present you everything. Next year is gonna be a big year. Let's go. A big year. On va voir Mala et Chami. Trop trop bien. Trop content. Et Hazard. Oh,
Tom, il est aigri parce qu'il a qu'une envie, c'est d'aller manger. Mais oui, mais on, depuis tout à l'heure, on doit aller manger, là, ça y est. Et personne n'est prêt. C'est bon, on s'en rend où ? Martin, I'm just waking up. Hier, c'est incroyable, 6000 personnes, on a sold out. So we are Saturday morning, kind of morning. It's almost 3 p.m. Martin sold out 6,000 tickets for his all day long. He played 6 hours. The place was completely crazy, but you saw the videos from yesterday. We are about to go in the city center to brunch, and after we have 3 events, including one secret event. Martin just announced it on his Instagram, so we are very excited to see how it's gonna be. Salut les gars, du coup voilà, là on est le jour d'après, après le All Night Long, c'est super bien passé. J'étais très stressé à l'idée de faire le All Night Long là à la DE Amsterdam, et voilà, j'espère que les gens ont kiffé, que vous avez kiffé, pour ceux qui étaient présents. Et ouais, on est en train de travailler sur un gros projet d'AV Show pour 2024, et on le teasera sur les All Night Long jusqu'à la fin de l'année à Lyon et pour le nouvel an à Paris. Et puis du coup là on enchaîne aujourd'hui, on va rejoindre le copain Hazard pour la Bakery Station à Amsterdam, dans une boulangerie en fait le concept, voilà, en mode un peu boiler room, donc ça va être super sympa. Et puis après on finit la soirée, on va avec Contexte pour Charlotte de Witte, et après on finit à Unreal Free Your Mind pour clôturer cette semaine d'ADE. Ready pour la bakery. Il y a déjà on va retourner tous les croissants. Il y a déjà fait, Please make some noise for Trim. Thank you very much guys, it was the bakery session. Thanks again to Rice Bakery. Je pensais qu'on aurait fait ça bien. Thank you.
qualité, enfin pour le contexte, franchement. Bon. Non mais t'as vu j'ai fini Ouais. Ouais mais là justement t'as fini, c'est un truc que personne fait, tu vois, GNB closing. Pour revoir la lumière. 15 minutes d'avant il y avait eu... Ouais mais justement, j'ai pas dépassé sur 60. T'as vu toi quand t'as fait ton spin là? Ouais. It's 8 a.m. We just came back from the club. It was a crazy day. 3 gigs, 3 different locations. The bakery was so much fun. The crowd was so into the concept, so it was very fun. Context was huge. I loved the location because it was in Amsterdam Theater, but they made it look like a club. With the production, and it was so nice. Also we spent, and the last event was at AFAS like yesterday, and with the same promoters actually, and it was huge. It was so much fun again. So many of our friends were here, also so many artists and promoters from all over Europe and the world, because it's AD, so everybody is in Amsterdam in the same time, so it was so much fun to be with all these people, and yeah, I'm so tired. Drive and finally we'll be home. This is Sela. We're going to die. It's Sela.